Yo tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre let's play sur Dragon Quest Builder 2. Donc la dernière fois du coup on s'est arrêté ici, donc du coup on avait un petit peu exploré, on a vu quelques champignons. Voilà, on avait parlé un petit peu de mon loup. Hein. Pour dire que Marilou, bah du coup en fait son surnom c'est je lui dis mon loup. Et en plus le jeu, la fille qui est dans le jeu m'appelle mon loup. C'était un peu comme une coïncidence. Et après on s'est arrêté ici. Et bah du coup on va parler infirmant. Parce que je pense que là en face, je pense que vous voyez jusque là en face là. Je pense que derrière ça, il y a quelque chose d'intéressant, donc on va lui parler. Gaëtan, t'as pris tout ton temps, hein. Je croyais t'avoir dit de pas me laisser tout seul dans le noir. Enfin, vu comment mes muscles s'agitent dans tous les sens, hein, dois-je y avoir de l'argent derrière ce mur, hein. Donne un bon coup avec ta masse de guerre et voyons ce qu'on peut trouver. Ouais, donc du coup... Ah ouais, on peut casser les blocs. Alors on va faire ça, hein. Ça sera plus facile. Ah, c'est pas assez puissant. Ah oui, c'est pas encore assez. T'es sûr qu'il y a quelque chose là, parce que ça se trouve on va faire ça pendant je sais pas combien de temps. Hein. Ah oui, il y avait bel et bien quelque chose. Hein. Quel point c'est là, hein. Alors par contre, il m'endort. Hein, par contre, c'est très embêté. Oh, j'apprends une nouvelle recette en prenant de la vinérite. Herbe curative. Ah, c'est bien ça. Voilà, on a libéré le passage. Nom d'une pioche rouillée, encore en un de ces tunnels. T'as fait un sacré trou, hein, mais il y a un peu juste pour tout l'argent qu'on va ramener. Je vais demander au gars de l'agrandir un peu. Et ramenez-vous, hein, bande d'idiots. Il y a du boulot. Hein. J'espère que ça... J'ai jamais aimé les endroits étroits. Allez les gars, on y va. On devrait, si on faut filer aussi Gaëtan, si j'en crois mes triceps, il y a un sacré filon d'argent. Par ici. Ah oui, il a largement agrandi la grève. Ah oui, il a pas déconné, franchement. Ouais, quand il disait que s'il sentait à l'étroit, en fait, il a carrément élargi le trou de... Ouais, ça déconne pas. Bon, on va allumer les torches, hein, parce que je pense qu'il va pas aimer. Ah, j'ai peur de moi. En fait, t'as juste à me suivre avec la torche, hein, au pire. En plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de torches, hein, donc oui. Il m'a dit si je vois une torche, je l'allume là. Hein. Bon, je l'allume. Pas de problème. Par contre, on va s'en tout trouiller, hein, en vrai. Il y a des jolies choses ici. Oh, super, super. Non, je pense que cette apparence. Je vais rester un garçon. Si on veut faire revenir ce fameux âge d'or, on devrait demander à Bouclo d'or, hein, ce qu'il lui faut. Hein, je pourrais demander à Bouclo d'or avant, ah bon, d'accord, on peut pas lui parler pour l'instant, là, pourtant on avait quelque chose à dire, mais... Alors attendez, je vais explorer, parce que...
sec. On va attendre hein, avant d'ouvrir quoi que ce soit comme mur, parce que peut-être que le jeu va nous dire. Hein. Pour l'instant, j'explore ce qui est possible d'explorer. Mais c'est vraiment immense. Cet endroit est immense quand même. Non, je sais pas. Alors là, on peut passer. D'ailleurs, on arrive sur une énigme. Ah, d'accord. Donc là, je pense que le mur qui est ici, c'est tout simplement. En fait, on fait le tour et on revient là. On va l'exploser à la dynamite. On va l'exploser à la dynamite. En fait, ça fait tout simplement le tour et on peut revenir. On s'éloigne. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, ça fait juste un truc complet, c'est juste un raccourci. Bah, j'ai l'air que c'est bien d'avoir un raccourci maintenant. Alors, par contre, il y a une énigme, on va essayer de faire l'énigme pour voir ce que ça va nous donner. Je sais pas, c'est magnifique. Hein. Il y a juste des blocs ici qui peuvent se passer. Ok. Alors là, ce qui manquerait, ce serait est-ce que ce serait pas ça des fois? Faudrait prendre et le mettre là-bas. Est-ce que ce serait pas aussi bête que ça? Ah oui, c'était aussi bête que ça en fait. J'ai résolu l'énigme. Hein. Franchement, l'énigme est la plus simple. Mais c'est comme dire qu'il y a un escalier qui laisse penser qu'on peut faire quelque chose là en fait. Et là, finalement. Il a été en tirant une mini médaille. Voilà, on va manger un petit peu. Bon, de toute façon, on peut passer ici, donc on va dire c'est pas totalement effondré. Alors, je vais regarder toutes les grottes pour voir ce qu'on peut trouver. J'explore, hein. Franchement, j'explore. C'est bien aussi d'explorer un petit peu quand même. Parce que c'est bien, on joue, on parle, mais à force, on s'en fout. C'est bien d'explorer un petit peu les grottes. Et on allume les torches, comme ça on y va un petit peu mieux. Si on en voit, si on ne voit pas, on va pas éclairer. Là, on est en train de s'enfoncer dans le monde. D'ailleurs, tant mieux, ça fait toujours de l'exploration, non? Imaginons qu'on tombe sur quelque chose. Hein. Treize morceaux, je récolte. Et là, ta part, bougre d'or, 157 morceaux dégagés. C'est pas mal. Il a encore besoin de. Ah oui, il a encore besoin de beaucoup d'or, de bout d'argent. Bon, on va y arriver un jour ou un autre, de toute façon. Là, je peux vous dire, au stade où on en est dans le let's play, je pense que le let's play, une fois ce chapitre terminé, on sera à peu près à la moitié. Enfin, approximativement, on s'approche doucement de la fin, mais. Je peux vous dire maintenant qu'on n'est pas encore prêt d'arriver à la fin de Dragon Quest. Hein. Dragon Quest Builders 2 et la durée de vie de ce let's play est très grande en fait. Et je sais pas du tout quand ça va être terminé hein, ce let's play. Hein. Mais il y a moyen qu'on termine seulement en octobre. Enfin, fin octobre. Hein.
Là par contre on n'est pas encore allé là. C'est infini parce que là regardez on a carrément. Soit on va tout droit, soit on va à droite, soit on va à gauche. Hein. Ah ouais. Moi je pensais vraiment qu'on avait fait le tour, ça nous aurait emmené au même endroit, mais. Mais au final non, pas du tout. Ah il y a encore un truc, il y a encore un tunnel qui est comblé ici. C'est vraiment mais immense quoi. On va mettre un petit coup de dynamite là. Attention. Parfait. On s'est pas ouvert entièrement dessus mais c'est pas grave. Là, on n'est pas allé encore ici, on n'est pas encore venu ici. J'ai vraiment cru que j'allais prendre une tapette là. Ah, on revient au même endroit, mais encore. Enfin, ouais, ça a toujours rien en fait. Je suis sûr et certain qu'il y a un coffre qui est caché. Hein, parce que. Quand même très grand enfin, ou si jamais il y a un téléporteur ou quelque chose comme ça encore en... il y a encore un oh d'accord à ce train là les bombes les boules de chaos il y en aura plus hein. Ah regardez ce qu'on a en face on a encore. On est tombé sur un message secret par contre. Alors soit c'est un coffre des bombes de chaos ou l'autre, c'est-à-dire que là ça serait vraiment bête quand même de faire tout ce chemin pour avoir ça. Mais... En tout cas le coffre est bien en valeur alors. Ah ouais non mais c'est infini, regardez. Bon, on va regarder le coffre, mais le coffre est bien en valeur, en mode viens et après tu vas voir qu'il y a un ennemi qui va rentrer. Ah là là par contre là c'est très intéressant. Hein. Parce que ça c'est une lame de vie, c'est-à-dire que là, ça va augmenter mes PV de 65. Et oui c'est ça. J'ai gagné 5 PV de plus, de santé. Là par contre là c'est très intéressant de tomber là-dessus. Hein. Non, on pouvait pas faire mieux, je pense. Oh, là par contre, c'est plus profond. On est tombé sur un truc là, par contre. Ouais, c'est plus profond. Ah, déjà, par contre, c'était vraiment difficile, par contre. Ah, c'est pas mal, on est tombé sur une grotte immense. Bah, je peux vous dire qu'il y a un endroit, je vais rien vous dire, mais il y a un endroit. Il y a quelque chose qui est caché, enfin un petit secret. Je vais pas vous dire où exactement il est, mais dans une vidéo je pense que j'irai le chercher. Et oui parce qu'il y a un petit secret que je sais où il est. Dans les grottes. Il n'y a pas ces grottes ici. Hein. Et on revient du coup au point de départ. Alors par contre on n'est pas encore allé ici. En fait, à chaque fois, je me dis, on a fait le tour, et au final, on revient, on a pas fait le tour complet. Par contre, on n'avait jamais ces blocs verts, comme ça. Encore? Non, mais là, franchement... Là, aujourd'hui, c'est jour exploration. Ça vous intéresse, en vrai, l'exploration? Mais à chaque fois, on peut pas savoir si on peut tomber sur quoi derrière. Tada! Encore la mine, là. À un moment ou à un autre on arrivera à la fin. Mais... Finalement le cas de vie, je l'aime trop.
qu'à chaque fois, on peut pas savoir ce qu'on va tomber sur quoi derrière venir. La porte de la lumière. Attends. On est en sécurité si on a côté d'une torche. Oh, mais c'est vraiment infini. Regardez où on est. Encore, là. Oh là là, c'est vraiment infini. Et par contre, on a trouvé un téléporteur. Donc, à force d'explorer, on a fini comme par trouver quelque chose d'intéressant. Ah, là, là, là. Bon, on a l'air d'être tombé sur un cul-de-sac. Ah, cette fois-ci, on a l'air d'être tombé sur un cul-de-sac. Et franchement, c'était quand même bien, hein, l'exploration. Alors, je vais pas aller plus loin parce que je sais qu'il y a une petite quête à faire, hein, tout avant de ici. Il y aura quelque chose à faire ici. Ça, c'est tout ce qu'on a exploré. Tout ça, on a fait. Alors, je vais vous... Je pense qu'on va aller voir le petit secret, donc le fameux secret, donc le fameux la fameuse chose qui est cachée. Je vais vous montrer. Du coup, il y a une grotte où on peut, on a un petit secret, donc on va y aller maintenant. Comme ça, autant faire une bonne exploration pour aujourd'hui, hein. Alors c'est pas très loin, hein. Honnêtement, il suffit d'aller tout droit, enfin tout droit, il suffit de suivre les rails. Et vous allez tomber dessus pratiquement. Alors c'est pas la porte à côté, mais... Voilà, on y arrive presque. Donc là, si vous jamais vous tournez à gauche au lieu d'aller tout droit, ou à droite, hein, bah oui, en fait, on est ici. Le jeu, en fait, on fait le... Enfin, en fait, au début, je sais plus quel personnage, le personnage nous dit, hey, va là-bas, et si on tourne à gauche, on a un petit secret. Ouais, c'est juste pour vous dire, hein. Ici, ce mur-là, c'est pas un mur qui va nous emmener dans une grotte, hein. Ça va vraiment, si on casse ce mur-là, honnêtement, juste derrière, il y a tout simplement un petit secret, un objet caché. Ou pas. Au début du chaos souillé. Alors ça c'est décevant parce qu'on a le début du chaos souillé. Et pourtant, il me semble bien qu'il y avait quelque chose de caché juste ici. Vous voyez, donc je me rappelle. C'est bizarre parce que pour moi il y avait quelque chose de caché ici. Mais après peut-être plus. C'est un autre endroit. Parce que je sais qu'il y a un endroit, c'est comme ça, une porte à casser. Et enfin c'est sur le côté justement. Je sais plus où. Mais voilà. Oh, du coup les dos sont et là on a un lit. C'est bien d'explorer parce qu'on peut trouver des choses à chier. On pense qu'on va s'arrêter. Ça vous a fait plaisir de que j'explore les lignes. Parce que d'habitude on n'explore pas les lignes, d'habitude on parle beaucoup. C'est tout ce qu'on veut en fait. Et bon, on va rentrer au bercail. À la maison, au sec. Et en plus, on nous a ramené des minerais. Des métaux. Et ben, vous savez quoi? On va s'arrêter pour aujourd'hui pour la vidéo de notre Dragon Quest 2. On va enlever la télévision avant. Et après, on s'arrête. Là, je pense qu'ils sont très gênés dans tous les domaines. Et quand j'ai tout déglingué, je suis en train de voir les personnes qui sont en train. Parce que vous avez vu l'état des murs là, ils viennent de casser ça. Hein. Bon, c'est pas le moment, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il était très rare.
Ah, oh, ça par contre, ça va être très gros, ça va être. On a réduit mon côté. Là par contre, j'ai bien fait de venir marquer, parce que là, ils auraient pu casser plus que ça. Bon, on répare les murs, on prend une épée de fer et après on se quitte. C'était inattendu, hein, franchement. Enfin, j'ai bien fait de venir, parce que là, sinon, ils auraient pu casser. Ah puis eux ils déconnent pas, quoi, casse tout, casse pas bien. Regardez, ils ont cassé même mon bout du monstre. Ah ils ont même cassé la porte. Ah oui, il y a même plus de porte, on peut même plus rentrer ou sortir. Ah bah voilà. Ah par contre ça c'est belle, il y a même. Voilà, c'est bon. Alors il manquerait du sable. Oh, du sable, on en a 999. Voilà, c'est bon, c'est parfait. On va juste fabriquer une épée. Parce que regardez, l'épée, franchement, l'épée. Là, on va se faire plus de dégâts. Hein. Alors attendez. Actuellement, notre épée faisait. Elle faisait 42 dégâts et cette épée fait 52 dégâts. On gagne quand même 10 de dégâts de plus. Donc c'est quand même intéressant. Donc maintenant on fera plus de dégâts. Et ben maintenant on va se quitter. On va se quitter maintenant. Donc du coup c'était sur les centres paix. À demain.